partir sur un sujet blanc comme celui-ci, j'ai découpé ma démonstration en deux, puisque je démarre toujours mon tableau sujet blanc par les trois couleurs primaires que je fais sécher, puis je retrempe pour faire ensuite les gris colorés des autres couleurs. Donc je vais travailler en fait deux tableaux pour vous montrer le premier jus. Voilà, là c'est pas la peine de mouiller plus longtemps. Juste. Toujours enlever le surplus d'eau. Alors, vers les parties à la lumière, les jaunes. Mais sans aller dans les parties que j'ai les plus blanches. C'est à côté des blancs. Ensuite, il y a le rose à venir. Donc le rose, en fait, il va servir avec les jaunes à faire des tons orangés, avec les bleus à faire des tons mauves. Lorsque vous faites un personnage, déjà, vous pouvez, entre le jaune et le rose, marquer un petit peu les zones des tons chers. Donc vous pouvez un petit peu bouger, mais les blancs, normalement, restent en place, même si ça fuse un petit peu. Voilà, là j'ai donné une ambiance, une couleur de lien. Ces couleurs-là, lorsque je vais mettre mes gris colorés, elles seront séchées, elles ne bougeront pas quand je vais retremper ma feuille. On le laisse tremper 10 minutes. On ne voit plus à travers les taches des masses au départ. D'où l'importance aussi de préparer bien avant son étude de valeur. Le format du papier tel qu'on l'achète un sachet comme ça, il va pile sur un 12p. Au milieu. Voilà. Quand j'aurai posé mes gris, je vais aller poser vraiment des couleurs plus contrastées qui resteront en place pour donner l'ambiance au tableau, donc avec les tons ocre et vert rose. Mais je vais démarrer par les gris. Et quand toutes mes masses de couleurs seront posées, j'attends vraiment le bon moment pour dessiner avec le pinceau. Donc mes gris sont faits non pas avec les trois premières couleurs primaires que j'ai mis au départ, parce que ça fait des gris un petit peu layettes. Mais vous savez que le gris, on le fera avec les trois couleurs primaires. Donc pour la famille des rouges, j'ai choisi le marron de Périlène. La famille des bleus, un bleu chaud, c'est l'outre-mer clair. Et la famille des jaunes, le vert jaune. Je les mets toujours à part dans ma palette. Je commence avec le rouge et le bleu dans une flaque d'eau. Et j'ajoute une petite pointe du vert jaune. Les gris à tendance vert vont aller plutôt sur les jaunes, côté lumière. Et les gris à tendance bleu, donc si je mets un peu plus de bleu, ça va faire un gris bleuté, dans les creux, sur les parties à l'ombre. Ensuite, on peut faire des gris bruns qui se mettent sur les parties convexes. Alors, je vais démarrer avec ces gris verts. Voilà. Alors. Tout simplement, je le mets sur mes tons jaunes.
miroir, mais que ce soit encore brillant. L'important, ce n'est pas de finir, c'est de surveiller là où vous voyez que le papier commence à sécher. Pouvoir vraiment passer à cette phase mid-mat où en fait on va donner l'écriture au tableau. L'écriture, c'est en aquarelle mouillée sur mouillée, c'est tout ce qui va être des petits traits, des courbes, ou des fils d'eau qui vont donner des directions, un mouvement à l'aquarelle et de la fluidité. Donc pour les fils d'eau qui font des petits filaments, pas des blancs nets, il faut vraiment ne pas manquer ce moment de l'humide mat. Tout ce qui est blanc plus net, c'est quand le papier est vraiment mat plus frais. Le froid très vif. Le primer bloc, vous allez céruler en l'éphtalotadense vert. Vous voyez, je ne me suis pas précipitée pour apporter les couleurs. Ensuite, à ce stade-là, si j'apporte un contraste, ce sera une couleur crémeuse à la pointe de mon petit pinceau pour qu'elle reste en place et qu'elle ne parte pas en faisant des auréoles. La goutte en laisse. Ça, c'est parce que je m'amuse. Vous absorbez le trop d'eau qui crée le certi. Donc, en fait, on reste dans la technique, on régule l'humidité du papier. Voilà. Vous prenez la couleur, vu que mon papier est mat, j'ai une couleur sans trop d'eau. On a vraiment à peine sur mon pinceau. Et je veloute. Voilà. Ensuite, vous jouez autour avec les fils d'eau, mais vous ne laissez pas le certi apparaître. J'ai un ami très sage qui m'a donné une formule qu'il faut vraiment exploiter dans cette technique, c'est il ne faut pas blâmer une contrariété. Alors, retenez-la. Quand vous avez une auréole, c'est pas bien grave. On s'en sert en fait.
Voilà, je vais jouer autour avec.